Salut à tous, c'est Mister Freeze. On se retrouve pour la suite de Phoenix Wright. Donc c'est parti. Alors ça c'est assez important, enfin ça influe pas trop sur la suite du jeu mais plutôt sur le gameplay on va dire. Enfin c'est pas vraiment le gameplay, la durée de vie on va dire. En fait ce procès vous voyez est assez long. Il y en aura pas d'autres qui feront plus de 3 jours dans le jeu en fait. Par contre les jours seront plus longs dans le jeu quoi. On pourra discuter mais je sais pas si ça va servir. On va direct bouger. On va commencer par là. Parce que, je crois pas que ce soit obligatoire de discuter avec Maya, donc on va pas le faire. Alors. J'adore quand les persos font ça. Putain, mais insiste. Oh, dégueulasse. Tout ça me paraît bien louche. Alors, on va retourner au studio, bien sûr. Avec tout le calme du monde. C'est exactement les mêmes. Hein.
fallait bien qu'elle s'énerve une fois dans la conversation. Après on sait pas, on a pu le faire chanter. Bien sûr que si. J'ai beaucoup de chance, de choses à apprendre. Bon, on va aller. On va retourner voir Di Vasquez. Attention les épileptiques. C'est elle qui a mal poli. Attends, on dirait qu'elle vraiment qu'elle essaie de nous dire j'en ai rien à foutre de vos gueules quoi. C'est vrai que c'est tellement intéressant. C'est dire que ça. Bon, je pense qu'il va falloir essayer de lui foutre un peu la pression à quelque chose. Sauf que là on a rien. Bon, ce qui est cool c'est que ça enlève l'épreuve inutile qui sert plus trop. On a, maintenant on a ça, pareil. Ah, par contre on n'a pas la photo du samouraï d'acier se dirigeant vers le studio 2, c'est dommage. Je pense qu'on va retourner peut-être voir Salmonello. De toute façon on peut plus aller au studio 1 maintenant. Merde, je me suis trompé. Mine de rien, il est super costaud, détective. Si vous regardez Maya là,
Et lui, il fait le trip de volume. Tu as pu le présenter? Non, on va plus. Vous verrez, bon, c'est pas pour tout de suite, mais dans Phoenix Wright 4, ça me pensait à ça. On pourra faire des petites analyses police scientifiques, genre trouver les empreintes et tout comme ça. Ils sont un peu cons, ils auraient quand même pu les ranger les assiettes. Ça prouve qu'on fait bien notre boulot. C'est un grand malade. Yeah. Putain, mais quand même, c'est un boulet la mère en fait. Le gars il drogue, il monte, il laisse le flacon sur la table avec ses empreintes dessus quoi. Et il laisse l'assiette. Bon, bref. Ouais, ça aurait peut-être fait suspect, vous allez me dire, d'enlever l'assiette, mais au moins plus foutre des gants. Hein. du coup, on va aller dans la loge. Elle a pas de nom, elle. Employé. Ah si. Les autres sens. Bizarre qu'il n'y a pas son vrai nom. Parce que c'est le dernier qui est sorti, non je déconne. Également l'arrêt de mort du juste sans cœur. Hmph.
Mais alors, un truc qui pourrait redonner... pas ça... Tiens, reprends courage! Un acteur est mort! C'est mort... Ça s'en fout... Ouais, alors ça, ouais... Ouais, bah ça doit être ça... Je crois qu'on a plus besoin de se demander qui est le méchant dans l'histoire. Hein. Oh bah du coup sa carrière est quand même un peu tombée à l'eau. Ah tiens. Bon, on va retourner la voir. Bon, ça a l'air beaucoup plus simple que la dernière fois où j'ai mis une heure là. Ça nous donne ses beignets, pourquoi pas. Ouf. Elle est en mode requin. Même lui, il savait pas. Mais forcément, c'est toujours marqué employé. Je me rappelle même pas qu'il nous ait donné son nom, en fait. Ouais.
Je sais pas si c'est l'assiette ou le somnifère du coup. Bah, il y a les empreintes, donc c'est plutôt ça. Il y a son sperme à l'intérieur. Ah, c'était ça. Vous montrez deux preuves. Ça veut rien dire, elle mangeait peut-être dans la même assiette. Waouh, elle a bien changé en 5 ans, elle. Hein? Et comme par hasard, elle a un nom hispanique! Tout de suite! Wow, violent. Il combattait avec une raquette de tennis. Oui, c'est le truc qui me choque le plus. En fait, ils aiment bien dans leur studio tuer les méchants, mais en vrai. Hein. Ça c'est une preuve. Hein. Du coup, je sais pas trop. Ah bah oui, je suis con. On va retourner voir Vasquez, je lui montre la photo. Hein. Je pense que pas trop le choix. Je pense que moins faire la maline. Ouh. Bon, elle parle. Elle te calme direct quand elle parle. Hein. C'est là où j'ai rangé mes couteaux. Tintintin. Ah ouais, si on regarde bien là. Je vais essayer de vous montrer. Là. C'est plié. Ah, il dit rien. C'est là où il y avait le corps du coup. Bref. Ouais. Ouais.
Waouh. Encore plus peur comme ça. C'est pas faux, c'est pas faux. On s'en fout de la même sécurité. Ça m'étonne pas. Oh putain. Alors ça, je suis sûr que personne s'y attendait. Je sais pas d'où il sort, mais... Eh bien, juste avouer sa culpabilité là. Pardon. C'est pour ça que j'aime bien Detective. C'est un malade. Il a niqué tous, tout seul. Ça lui rajoute du charisme un peu parce que... Il a l'air un peu con quand même. Voilà, voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est plus courte, beaucoup plus courte que la dernière fois. La moitié environ. Donc voilà, je vous avais promis que je traînerais plus. Bon là c'était assez difficile de se perdre, hein, faut bien avouer. Voilà voilà. Bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était courte mais je trouvais assez intense en révélation. C'était assez sympa. Et puis bah la prochaine vidéo ce sera la dernière partie de la troisième affaire, donc au tribunal, où la vérité va éclater, c'est trop bien et tout. Voilà, donc préparez le popcorn et puis je vous dis à la prochaine, salut!